Gentlemen, welcome to the International PhD Student Conference, COP21, 5 years later. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Conférence internationale des doctorants, COP21, 5 ans après. We are pleased to welcome you in the majestic Richelieu Amphitheatre of the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne today, at la Cité du développement durable tomorrow. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le majestueux amphithéâtre Richelieu de Paris 1 aujourd'hui et demain à la Cité du développement durable. This will be the first very conference on sustainable development organized by Thomas and me, PhD. So, Thomas, let's continue. So, hi, everyone. Yann, Anne, Antoine, Laurine, and I are very happy to welcome you for this first conference. So, Yann will talk more about the conference that we are organizing today and the objective that we want during the conference and after the conference. And just to introduce this conference, today we will talk about, during the conference, we'll talk about 4 main topics, which is energy, human development, urbanism, and well-being. So we would like to warmly thank the collective work initiated by Sorbonne Développement Durable, a collective work network structure for innovation and training and research of the human, legal, and social science on sustainable development, which today brings together more than 100 researchers from all disciplines. La Cité du Développement Durable, a unique cluster bringing together players in sustainable development and ecological transitions, and the task force UNA Europa, Sustainability of Paris 1, which includes an alliance of 8 European research universities. To inaugurate this international conference, we have the honor and the pleasure to welcome Mrs. Christine Néo-Leduc, President of the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour et bienvenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Hello and welcome to the University of Paris. Remercier tout d'abord l'ensemble des organisateurs et des organisations qui participent à la construction de ce colloque international et particulièrement les doctorants des nombreuses disciplines et des différentes disciplines de Paris 1, mais bien entendu l'ensemble des doctorants et des participants de nationalités différentes partout dans le monde et particulièrement aussi les Nations Unies qui se joignent à Paris 1 et qui sont d'une véritable force et initiative pour notre université. 5 ans après une COP21 qui avait suscité tant d'espoir, l'heure est celle du constat, celui de l'exigence de nouvelles perspectives, d'un nouvel élan fort et irréversible. Et je pense que qui mieux que nos doctorants de toute discipline, toute nationalité, avec la force de leur jeunesse, peuvent susciter et porter avec force un tel élan nécessaire, je le redis. Plus que jamais, il est de notre responsabilité, de la responsabilité de notre université, de les accompagner, de les aider à aboutir. Alors, ces 2 journées vont sans doute être intenses. Elles vont mêler des concepts scientifiques et des applications pratiques sur de nombreux terrains qui sont malheureusement sinistrés déjà par le changement climatique. Donc, c'est un travail collectif qui a été initié par Sorbonne Développement Durable. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de collègues de Paris 1 qui sont mobilisés par la Cité du Développement Durable dans le cadre de l'IEDES et aussi par la Task Force UNA Europa sur la responsabilité sociale qui, avec les collègues de Paris 1, entend aussi, dans une dimension européenne, valoriser tous les enjeux du développement durable. Vous allez aborder durant 2 jours, aujourd'hui dans l'amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne, puis demain à la Cité du Développement Durable, 4 thématiques qui ont été définies par un conseil scientifique mixte qui a décidé, et je crois que ce sont des thèmes formidables, de valoriser l'énergie pour tous, le développement humain, la durabilité urbaine et rurale et le partage du bien-être.
Pour tout vous dire, je suis particulièrement et personnellement attachée à ces thématiques, puisqu'il y a très longtemps et sous d'autres cieux, j'ai dirigé une chaire intitulée « Monde du travail et responsabilité sociale de l'entreprise ». Ce sont des thématiques qui me sont chères, qui, je crois, sont incontournables si notre communauté veut pouvoir se donner des perspectives d'un développement raisonné, d'un développement humain et surtout un développement partagé par tous. De surcroît, notre université est vraiment engagée dans la transition, et notamment la transition écologique ou énergétique, et dans la transformation, sa transformation au regard des exigences du développement durable. Donc, ces actions vont se développer, se pérenniser tout au long des 4 prochaines années, et je suis persuadée bien au-delà. Et je compte énormément sur vos travaux, sur les perspectives que vous pourrez dresser, que vous pourrez concrétiser, peut-être par des propositions pratiques que nous pourrons mettre en œuvre à Paris 1. Et je compte vraiment sur vous, sur votre énergie, nous en avons tous besoin. Je vous souhaite une excellente conférence. I wish you a wonderful conference, and I know that your work and your exchange will be exciting and a powerful force for our world community. Thank you so much and bye-bye. Peut-être pouvons-nous maintenant passer à avant que les doctorants ne se succèdent et que Laurine vous continuez la présentation, peut-être que nous pourrions donner la parole à Anne Le Naëlou afin de présenter éventuellement la Cité du développement durable où se déroulera la seconde journée. Hello everybody. Welcome to everybody for these 2 days with the doctorants on a very special topic, which is COP21 five years later, and what's going on. So today it will be localized in Paris, and tomorrow it will be localized in the Cité of Développement Durable, and I will present it you more precisely tomorrow. Just to say that it is an initiative very close to Sorbonne Development Transition. It is a place very special and moving and very interesting to have reflections and to think about our models, our development models, and their issues, their limits. And I think both of those 2 places here, Amphi-Richelieu and tomorrow, Cité du Développement Durable, where other actors, other stakeholders very committed in sustainable development work together around University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne. I think we have there 2 very nice places to think with the young generation on issues for a better world tomorrow. So let's going on for this presentation today, and you are all welcome tomorrow by Zoom, and if you can come directly at the Cité, why not? So just let's us going on now. Thank you. We can have an intervention from Katia Martin-Chenou, our jurist colleague, a professor in Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup, Yann. Je suis ravie de me joindre à vous pour l'ouverture. Je suis ravie de me joindre à vous pour cette ouverture, l'ouverture de cet événement organisé par des jeunes chercheurs sur une thématique cruciale qui est la crise écologique et les suites de la COP21 ou les 5 ans de l'accord de Paris. Un événement en plus soutenu par Sorbonne Développement Durable, initiative qui réunit depuis 2017, qui réussit à mobiliser des chercheurs et des enseignants-chercheurs de l'Université Paris 1 provenant des différentes disciplines, initiative à laquelle j'ai eu la chance d'avoir été associée depuis ses débuts, et je remercie Yann Thomas et François Guitrébulle pour la confiance qu'ils m'ont faite, parce que la thématique qui nous réunit aujourd'hui requiert la mobilisation des diverses disciplines réunies à Paris 1. La lecture du programme de ce colloque révèle cette diversité
Et je peux dire quelques mots sur l'une d'entre elles, le droit, qui est de plus en plus sollicité pour faire face à la crise écologique et qui, pour essayer d'y répondre, est amené à évoluer, voire à se réinventer. Et il s'agit là d'une opportunité pour le droit. La crise écologique appelle une rupture avec le modèle de développement axé sur la croissance illimitée pour se tourner vers un mode de vie plus durable, en tissant des liens entre tous les peuples, les générations futures et les vivants en général. Or, dans ces mondes globalisés où la capacité d'action des États a décliné face à la montée en puissance du marché, où le droit classique a subi la concurrence des multiples normativités, parfois l'instrumentalisant, voire le marginalisant, le droit rencontre peut-être, avec les exigences de la transition écologique, une opportunité pour retrouver sa place et se renouveler. Des catégories juridiques classiques, à l'instar de la souveraineté, de la responsabilité, mais aussi de la propriété ou de la personnalité juridique, doivent s'adapter pour répondre aux exigences d'une transition écologique et solidaire. Les titres de la première session de ce colloque semblent sensibles à cette idée, idée que se retrouve d'ailleurs dans d'autres parties de ces colloques et dans diverses interventions des doctorants. Au sein des trois laboratoires juridiques de l'Université Paris 1, IRJS, IREDIES et ISJPS, des travaux développés par des juristes des différentes branches du droit, par des internationalistes, des comparatistes et internistes contribuent à éclairer le rôle pouvant être joué par le droit pour répondre à la crise écologique. Les outils juridiques pouvant être mobilisés par des acteurs de plus en plus divers et la transformation de ces outils juridiques au cours des différentes mobilisations. Donc, des recherches sont menées sur les biens communs, sur les contentieux climatiques, sur l'évolution du droit international et du droit interne de l'environnement, mais aussi sur le droit international économique, sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des organisations en général, mentionnées par la présidente de l'Université de Paris 1, pour ne citer que quelques thématiques, parce que la recherche des travaux menés à Paris 1 est bien plus large. Donc, le droit doit s'adapter pour répondre aux exigences de la transition écologique et pour participer à sa concrétisation, parce que le droit participe à la transition écologique dans la mesure où il permet d'organiser les relations sociales qui découlent de cette transition d'une part, et d'autre part, parce qu'il permet d'orienter les transformations nécessaires lorsqu'il s'approprie les normes et les valeurs sociales. Pour cela, la formation et la mobilisation des jeunes chercheurs est cruciale et je ne peux que féliciter les doctorants à l'origine de ces beaux projets qui permettra, j'espère, d'approfondir les réflexions en cours sur la mise en œuvre de l'accord de Paris et j'espère suscitera encore de nouveaux travaux qui contribueront à cette transition écologique et solidaire tant nécessaire. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Katia. Eh bien, je prends le relais encore une fois pour remercier les doctorants qui aujourd'hui se sont vraiment mobilisés, pour remercier les doctorantes et les doctorants qui se sont mobilisés dans le cadre de cette manifestation COP21 Five Years Later. C'est une manifestation non seulement symbolique, mais également une manifestation que notre université est en capacité aujourd'hui de mobiliser les forces nécessaires à la transformation et non plus uniquement à l'idée de transition. I would like to thank our partners from PAIR Prime, the Global Compact, Academic Impact, and all the national and international actors who have contributed to support the international symposium that brings together today in transdisciplinary way most of our academic disciplines and that will be repeated next fall. Adopted at the Bourget on September 12, 2015 in Paris, signed on April 22
2016 at the United Nations headquarters in New York by 96 states and 188 states at that moment, the Paris Agreement acted the return of a strong international ambition in favor of the climate. Nearly 200 states committed to reducing their greenhouse gas emission, with the aim of containing global warming to 1.5 degrees as far as possible. Despite the pandemic, we can nevertheless see that emissions are continuing to rise. We even expect a strong rebound in greenhouse gas emission in the energy sector in the coming months. Although the Paris Agreement sets our general principles that mainly aim to 1. Achieve carbon neutrality. 2. Increase adaptation to the effect of climate change. 3. Support developing countries. The fight against global warming is currently insufficient. The fight against global warming is currently insufficient, although the Paris Agreement is bringing on the states that have ratified it. This does not mean that they are transparent. We are here to remind you that we have only 10 years left and that the signatory states of the Paris Agreement must imperatively increase their ambitions by the end of 2020. Governments must reduce their fossil fuel production by 6% per year between 2020 and 2030. The UN agency adds, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, global emissions should be reduced by 45% by 2030 compared to 2010. If we want to limit warming to 1.5 degrees by the end of the century. Interdisciplinary is more than vital. In the framework that brings us together today and that will allow us to discover the richest of the contributions of nearly 24 doctoral students from our university. This is the vocation of our scientific group, Sorbonne Sustainable Development, which intends to federate the humanities, legal, and social sciences on sustainable development. Interdisciplinary Sorbonne Sustainable Development aims to develop research programs that will allow us to think about future social and environmental transformation is responsible to the major challenges of 21st century, such as climate change. It provides University of Paris 1 Panthéon Sorbonne with a research of training center of excellence, international and interdisciplinary, which mobilizes in a coordinated and attractive way the significant potential of the university to develop a science of sustainable development. It is thus a question of for us of multiplying the interactions between the actions of research and the initiatives of the civil society in favor of sustainable development. At the beginning of the day, and just before the discovering of the richness of the research of the doctoral students in the field, the intervention of our colleague Hervé Brédif will demonstrate how much our attachment to the recognition of the richness of the relations of human beings to the living is able to open on a very different reading of the stakes and makes spring new perspectives for humanity. Merci beaucoup. Je rends hommage aussi à l'équipe de Sorbonne Développement Durable et notamment une grande pensée pour notre collègue Jean-Claude Berthélémy, ici présent aujourd'hui, et tous les collègues de Sorbonne Développement Durable qui se joignent à notre initiative. C'est le temps de la recherche doctorale, le temps de nos doctorants
et le temps aussi pour nous de les écouter, d'entendre leurs solutions. Et là, je rendrai hommage pour finir au philosophe Bernard Stiegler, qui a su mobiliser une dynamique intergénérationnelle qui aujourd'hui nous est énormément précieuse et qui contribuera certainement à mobiliser largement les populations. Je vous remercie.